Alors, on a deux jeunes qui sont venus avec leur père de province et qui ont suivi la formation de Didasco et ils ont eu leur baptême aujourd'hui. Vous voulez bien venir un peu? Voilà. Donc, on ne les connaissait pas, ils sont venus comme ça. Ils avaient prévu de dormir pendant 3 jours au moins dans leur voiture, juste parce qu'ils veulent se former. Quel âge as-tu? J'ai 15 ans. 15 ans. Et toi? 14. 14 ans. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse qui est là? Bon, ben, personnellement, moi, dormir dans la voiture, c'était pas énorme, hein, parce que quand tu vois que Jésus, c'est Dieu, qui descend de son trône pour les hommes qui étaient, ben, à l'époque, des pécheurs, c'était la crasse, il verse jusqu'à la dernière goutte de son sang et il dit pardonne-leur parce qu'ils savent pas ce qu'ils font. Franchement, la voiture, c'est du luxe, hein. Alléluia. Ça. Et donc, comme on voyait, parce qu'avant on était plutôt bouddhiste, Tu parles pendant combien de temps? tout petit. Ah ouais. Voilà, donc on nous présentait Jésus, même dans le bouddhisme, on dit quand même que c'est un grand maître, un des plus D'accord. grands maîtres qui a laissé le plus de traces. Donc, déjà, Qui a laissé le plus de traces? oui, qui a laissé le plus de traces. Voilà. Là, c'est magnifique. Ça, je ne le savais pas. Et donc, bah, avec ma sœur, voilà, on nous disait, parce que tout le monde connaît le verset où Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et même les bouddhistes, ils disent, bon, tu peux pas aller vers Dieu sans passer par Jésus, quoi. Il a dit. Ah bon? Ah oui. Mets-toi là, mets-toi là. Oh. Là, dis-nous tout ça là, dites-nous tout ça là. Tu peux y aller, hein. Ce que dites-nous Amen. tous les deux, ce que comment vous avez tout ce que Dieu vous met à cœur, parler, partager. Bon, donc voilà, donc on vient de Provence, on est plutôt jeunes, ma sœur et moi, et bon, on a toujours cru en Jésus, mais on n'avait pas la foi, on ne disait pas Jésus est Dieu. Mais il y avait quand même cette base, on ne pouvait pas passer à côté. Et bon, alors comment on est arrivé à Jésus? Ben, c'est principalement à cause de ma mère, du côté Sénégal, donc, parce que bon, elle faisait du travail voodoo, donc déjà tout petit, on savait il y avait les esprits, quoi. Elle nous avait déjà, elle avait fait des attaques, donc mon père l'avait quitté, nous on est parti avec notre père, et au départ c'était difficile, mais on finit par s'y faire. Et bon, alors on recherchait Dieu, et moi personnellement de mon côté j'étais plutôt pas mal attaqué, notamment ben, j'étais un petit voyou quoi à l'école, j'étais plus grand, plus costaud que les autres, à chaque fois je me battais, le petit caïd là, et c'est pour ça. Et puis un jour j'ouvre la Bible et puis je tombe sur le verset là, tu dois attendre l'autre jour. C'était pas ça là. Ouais, donc c'était des petits messages. Et alors au départ, j'étais le premier converti vraiment chrétien dans ma famille. C'est arrivé en juillet dernier.
Alors, on a des amis qui étaient venus à TV de Vie à Bordeaux en février 2016, je crois. Et ils nous en ont parlé. Alors moi, de mon côté, je suis parti voir. Et à peine le vendredi d'avant, c'est-à-dire, on nous en a parlé le samedi. Donc la veille, j'avais prié et je pleurais parce que je disais, mais Seigneur, tu es Dieu. Et bizarrement, bah, automatiquement, je m'étais tourné vers Jésus. J'avais dit, Jésus, je te demande pardon. Alors que, voilà, pour moi, c'était juste un maître parmi les autres, là. Le plus grand quand même, mais... Et j'ai demandé pardon. J'ai dit, Seigneur Dieu, si tu veux que je te suive, montre-toi à moi. Alors j'allume, je regardais à TV de Vie, je vois les miracles, tout ça là, j'ai dit wow, wow, je regarde, les gens là, vous leur parlez de démons, ils ont peur, là je vois les démons, chassés au nom de Jésus, vous sortez de là, j'ai dit oh c'est quoi là, c'est des fous, et là je vois pas frère Chora qui dit, vous avez affaire à un fou, voilà, c'est directement, et au départ j'en ai parlé à toute la famille, petit à petit, et on trouvait des bibles qui étaient dans la maison comme ça. Hein. On savait même pas d'où elles venaient. Il y avait des bibles comme ça dans les armoires, on les a prises. Il y en avait une pour chacun, ma petite sœur, moi et mon père. Alors on s'est converti petit à petit. Moi, j'étais vraiment converti en décembre, juste avant janvier cette année. J'avais fini mon année des 14 ans, quoi, le 22 décembre. C'était une nuit, bon, j'avais encore péché à l'école, je m'étais battu, j'insultais, je me promenais là avec comme un coq et je faisais le malin, mais le soir quand je rentrais, à chaque fois j'avais ce remords et je comprenais pas pourquoi. Et je regardais les autres, ils me disaient ouais, mais ça c'est tout le monde, c'est un coup on sourit, un coup on déprime. Et alors y en a, ils m'ont dit mais viens, on va fumer et tout ça. J'ai dit wow, moi non. non, je pouvais pas faire ça. Et j'ai prié. Et puis le soir, je sais pas, je crois vraiment c'était céleste. Je me suis mis à chanter la musique Dieu est bon. Vous pouvez connaître. Et j'ai chanté ça pendant une heure. Je criais dans la maison. Les autres, ils étaient dans la cuisine, ils me traitaient de fou là. Ils disaient il se passe quoi. Et moi je dansais. Et à un moment, il y a quelque chose qui me dit viens. Moi, je dis, mais viens, c'est moi qui parle tout seul, là, ou quoi. Et vraiment, ça insiste, ça me dit, viens. Alors, je m'assois et je faisais les techniques bouddhistes, là, méditer, là. C'est bien, hein, parce que tu récites Om, mais quand tu es à l'école, t'es pas plus sage qu'avant. Hein. Et voilà, donc j'avais trouvé une Bible et je lisais au hasard. Et j'étais tombé sur le verset de Jean qui disait, n'aimez point les choses de ce monde. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à changer. J'ai parlé autour de moi. Mon père, il avait du mal à m'écouter, même si il acceptait ce que je lui disais, mais il était trop tourné vers le passé. Il disait oui, mais avec ce qui m'est arrivé, voilà, tu comprends. Moi, c'est difficile. J'ai peiné. Et je lui dis mais tout le monde a peiné. Il est mort, mais il est le Dieu Tout-Puissant. Il a vaincu la mort. Amen. Il est revenu. Et tu peux pas tuer celui qui n'est jamais né. C'est impossible. Et alors, petit à petit, on regardait TV de Vie, on écoutait les enseignements. Et ma petite sœur, ça a été la première à se convertir après moi dans la famille. Autour de moi, bon, il y a des Esséniens, tout ça, là, on leur enseigne Jésus n'est pas plus grand que les autres, tout ça. Et mon oncle, l'aîné de la famille, entre mes pères, tout ça, il paye les séminaires 500 euros, des trucs comme ça, pour 4 heures. Et il revient avec des livres. Et bon, on m'avait proposé, moi j'avais dit non. Il y a quelque chose qui m'avait dit viens. Et alors ils me disent ouais, mais tu sais ça arrive de parler tout seul. Hein. il y en a plein comme ça, ils parlent tout seul. Mais ça m'a dit viens. Alors j'ai cherché, je lisais la Bible, je comprenais pas, j'étais frustré, je commençais à pleurer, mais je disais mais pourquoi c'est moi là, il y a personne d'autre qui pleure. Je savais pas, mais il y en a d'autres qui pleurent. Hein. Ça c'est sûr. Et je commençais à entrer dans des combats, je disais, mais tu peux pas penser à ça, parce que moi, j'aimais me battre. J'étais un boxeur, tout ça, rugby, voilà. Et c'est vraiment, à part Jésus, je crois qu'il y a personne qui pouvait me sortir de là. C'était impossible. Je lisais la Bible et je voyais des versets, et un qui m'avait fait bien rire, c'était quand il disait, il est aussi facile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, Jésus, c'est un comique, je vais lire. Et voilà. Et alors, on a vraiment suivi chacun notre chemin spirituel dans la famille. Moi, j'étais le premier à me tourner vers Jésus. Et j'y suis allé.
Et ben, c'était un soir, je méditais et bon, il y a dans ma tête, je me dis mais ça y est, stop, là, Bouddha, là, tout ça, c'est des bêtises. Et je me dis mais pourquoi tu peux pas manquer de respect à quelqu'un? Et alors dans ma tête là, il y a quelqu'un qui me dit mais t'as pas blasphémé, tu n'as ni insulté, ni outragé, ni porté de faux témoignages. Où tu as vu les miracles? Alors je dis, ouais, c'est vrai, à TV de vie, il y a des démons qui partent, mais est-ce que c'est vrai tout ça? Je demande, ouais, parce qu'ils font au nom de Jésus, même pas au nom de Dieu. Alors j'ouvre la Bible, Marc 16, hein, chapitre 16, verset 17. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. Et à ce moment-là, c'était fini, j'ai dit, c'est bon. Jésus. Alors j'ai continué à méditer, mais je méditais la Bible. Voilà, les versets, je les intégrais, je priais Jésus. Et petit à petit, mes mots ont commencé à changer. Là, j'avais un cahier, mais c'est une relation permanente. Je peux le dire, je parle avec Dieu. Je parle. Et je pose des questions, il me répond. Par exemple, je demandais, Père, mais pour toi, quel est l'homme que tu aimeras le plus sur terre? Il m'a dit, je les aime tous. Mais chacun récoltera ce qu'il a semé. Alors je voyais des gens là, ils disaient qu'ils étaient chrétiens, mais quand tu les voyais dehors, on est chrétien quand on est dans l'église. Après, on s'habille bien, on va draguer les filles, on va draguer les hommes, s'il est là. Et je disais, mais alors comment il faut être? Et je suis tombé sur le 1 Corinthiens chapitre 7, quand Paul parlait par rapport aux maris et aux femmes. Donc c'est pas vraiment ce qui m'intéressait, mais je voyais qu'en gros, celui qui était marié devait plaire à sa femme selon les choses devait oui, c'est ça, plaire à sa femme selon les choses du monde. Mais que celui qui est seul devait plaire à Dieu selon le Seigneur. Et à ce moment-là, j'ai vraiment intégré que il fallait que je quitte tout. Et alors je tombais sur des messages de sanctification sur TV de vie, tout ça, pile à ce moment-là, le soir même, je regarde sanctification. Voilà, il n'y avait pas de hasard. Tout était calculé. Je vous dis, le chemin là, c'est un GPS. Tourne à droite, tourne à gauche, c'est bon. C'est terminé. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait des miracles. Même à ma petite échelle, j'étais guidé. Alors je lisais de plus en plus la Bible quand Jésus disait, considérez les oiseaux qui sont dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais en gros, que Dieu les guide, quoi. Il les nourrit, tout ça. Et je voyais, par exemple, quand on est venu à TV de vie, enfin à Didasco, là, nous, on voulait dormir dans la voiture. On a dit, bon, il faut qu'on y aille. On fait comme on doit faire. Qu'est-ce qui se passe? On vient là, on nous paye l'hôtel gratuitement, comme ça, là. J'ai vu ça nulle part ailleurs. Hein. Et alors, c'est à ce moment-là, c'était vers février, que bon, j'avais arrêté de pécher depuis 2 mois volontairement, même si j'ai appris qu'en fait tu pèches quand même, mais involontairement là, quand t'es tenté, tout ça. Dès que tu te laisses un peu aller, c'est un péché. Il faut vite revenir et se repentir. Et j'ai compris qu'en fait, chrétien là, je me disais bon, tu trouves le salut en Jésus, c'est bon, terminé. Mais non, c'est pire qu'avant. C'est pire qu'avant. T'arrives là, tu vas dans la rue, tu regardes le gars, il te regarde mal, tu dis ah, attends, lui l'autre joue. Alors qu'avant là, j'arrivais, il y a quoi hein? Et c'est pareil, après, il y avait, avant moi, je prenais beau blouson en cuir, j'allais avec les épaules là, regarder les nanas me regardaient, tout allait bien. Maintenant, il dit quoi? Celui qui regarde une femme pour la convoiter, pêche dans son cœur. Ah! Ah! Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a une femme en face de toi, tu tournes la tête. Tu tournes la tête. Alors, ce qu'il y avait, c'est que je comprenais pas, parce que même dans la Bible, c'est dit, aucun homme ne peut faire ça tout seul. Aucun homme ne peut faire ça tout seul. Et je tombais sur, je crois que c'était dans Corinthiens aussi, quand on parlait des armes du chrétien. Le bouclier, c'est la foi, l'épée, c'est la parole de Dieu, le casque, c'est le salut. Donc là, j'ai commencé à regarder les 10 commandements, le casque, c'est le salut. Ah, j'étais perturbé par le casque. Pourquoi le casque? C'est Jésus-Christ. Et là, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta pensée. Mais si tu aimes Dieu de toute ta pensée, t'as pas le temps de penser aux femmes ou aux hommes, non? Hein? Et alors là, j'ai dit, hypocrite, là, ces gens-là, ils viennent catholiques, tout ça, je dois pas les haïr.
mais je peux regarder leurs fruits pour dire si c'est bon ou mauvais. Je peux pas dire, toi, tu vas en enfer, toi, tu vas au paradis, mais je peux dire, toi, tes fruits là. Tu regardes les femmes comme ça et après tu m'as dit, j'aime Dieu ? Non, 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 il n'y a rien. Alors je regarde, je commençais à discerner. Et là, j'ai compris, Dieu ouvre les yeux. C'est petit à petit, mais tu as le discernement. Et tu n'as pas le droit de juger, mais il te dit, juge les fruits. Tu ne juges pas les personnes. Tu dois haïr le péché, mais pas ton prochain. Et là, c'est difficile parce que tu dis, mais lui, il pêche, moi, je ne pêche pas. Pourquoi je ne peux pas le détester ? Mais il dit quoi ? Il dit, tu n'as pas péché ? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, non ? C'est écrit. C'est écrit. Et c'était compliqué parce que moi j'étais là, il y avait la tentation, l'ennemi là qui venait en pensée. Et j'ai compris la parole de Dieu là. Le bouclier c'est la foi, donc faut dire non, 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 non. La force, quand t'es tenté là, tu dis, il est mort sur la croix, il a ressuscité. Non, 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 je vais pas trahir l'éternité là pour un petit péché comme ça. Non, non, jamais. Quand t'es tenté, tu prends ton bouclier qui est dans ton cœur, ta foi, c'est Jésus. Quand t'es tenté, tu dis Jésus. Tu prends un bouclier et tu contre-attaques avec un verset biblique là, la parole de Dieu. Et quand on te dit, oui mais regarde, c'est difficile ici et là, tu dis, mais il est mort sur la croix pour nous. Il est écrit, celui qui sème récolte, que je récolte pas sur terre, je m'en fiche, celui qui est aimé des hommes sera maudit, mais celui qui est aimé de Dieu sera béni. Amen. Alors, c'était un combat et j'ai compris la vérité, la ceinture. Parce que si la ceinture tient pas, hein, tout nu, tu vas pas faire mal. Hein. Spirituellement, les démons ils rentrent. Et toi-même, avant même de dire oui c'est pour Jésus, toi-même tu veux pas, tu peux dire oui Jésus je t'aime. Mais la vérité c'est que t'as peur que les démons ils te chopent. T'as peur non? Hein, le soir quand tu dors tu dis ah je crois en Jésus. Mais si jamais t'as péché dans la journée tu vas t'arrêter, tu vas prier. On sait pourquoi non? Si tu dors là, veillez non? C'est écrit. Si tu dors là, c'est fini. Tu as dormi, tu vas te réveiller demain, tu seras plus le même. Les gens vont te regarder, ils vont dire ah, c'est plus lui là. Non, il est pas chrétien. Et toi, tu vas dire mais quoi? Mais quoi? Tu as péché. Il faut se repentir. Et nous, j'ai compris, l'homme là, s'il aime Dieu avant tout là, c'est pour la peur. Mais Dieu, il est bon. Il a dit mais qui m'aime pour la peur? Ensuite, je vais leur montrer les miracles. Et ils vont dire ah, mais il y a autre chose derrière. C'est pas juste ta peur. Au départ, on vient vers Dieu parce qu'on dit « Non, je veux pas aller en enfer. » Mais une fois que tu as découvert l'enfer, tu comprends que si Dieu il te permet de souffrir dans les pensées, les attaques, tout ça, là, c'est parce que être digne un jour du royaume des cieux et dire « Bon, aujourd'hui, je résiste au péché, aujourd'hui, je vais y aller, c'est bien. » Mais le rester jusqu'à la fin, jusqu'au jugement dernier, là, il faut se battre tous les jours. Parce qu'un jour, là, si tu souffres pas, un jour, le péché va te choper. Et comme tu ne seras pas entraîné, comme tu n'auras pas pris ton bouclier, comme tu n'auras pas contre-attaqué avec ton épée, comme tu n'auras pas porté la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, l'évangile de paix aux chaussures, hein, de Jésus-Christ, quand le péché t'attrape, si tu n'es pas fort, tu tombes. Et nous, vous pouvez tous le dire, avant que vous étiez dans le monde, avant Jésus, vous avez péché, non ? Amen ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que avant même de venir au monde, Jésus a dit, celui-là va me connaître. Je veux pas qu'il tombe. Je veux le prendre. Il aura sa place. Il va s'asseoir là. Et pendant l'éternité, je vais lui dire, mon fils, tu es content, non? Vous allez regarder. Ah! C'est fini, tu pleures. Tu pleures. Et j'ai compris, là, la vie chrétienne, c'est pas un repos. Hein. Le repos, c'est après. Mais ici, là. Celui qui vient ici, qui dit, sur terre, je veux être content. Moi, j'aime les bigoudis. Moi, j'aime les bigoudas. Non! Non, 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 t'es venu ici pour te battre. Mais derrière, il y a une éternité au ciel. Et j'ai compris, là. Je veux souffrir sur terre. J'ai dit, si je finis SDF au nom de Jésus, il n'y a pas de problème. Je me soucie pas du lendemain. Je prie. C'est fini. C'est trop tard. Si le diable, il vient te tenter quand tu dors, là, il dit, je suis là, là. Dis-lui, mais tu es où? Ça fait 2000 ans que tu es au trou, non? Reste tranquille. Voilà. Vous avez déjà vaincu le diable. Vous vivez en Christ. Vous n'êtes que des parties de Christ. Et Christ, il a vaincu. Vous êtes Jésus. Et il a dit, mais pourquoi donc, aux pharisiens, pourquoi donc vous êtes choqués si je vous dis je suis fils de Dieu? Vous êtes des dieux, je vis dans votre cœur. Dieu vit dans votre cœur. Et on sait que Jésus est Dieu.
Pierre l'avait compris, ça, tu es le Fils de Dieu, le Fils. Pourquoi ? Parce que celui qui est issu de moi, ma propre chair, mon propre sang, donc on dit Fils, parce que lui-même a dit qu'il voulait se faire homme. Il ne pouvait pas dire je suis Dieu en chair. Déjà, de un, parce qu'aucun homme n'a le droit de dire je suis Dieu. Je suis le Dieu Tout-Puissant, Yahweh, tu ne peux pas. Tu peux dire je suis Fils de Dieu, Dieu vient en moi, je suis un petit Dieu là, comme ça, Fils de Dieu, oui. Mais aucun homme ne peut dire je suis Dieu. Et Jésus l'a dit, je vais me faire homme. Alors, je vais leur montrer l'exemple. Je vais marcher et ils marcheront comme j'ai marché. Alors on est là, on lit l'évangile. Mais l'évangile, Pierre a écrit quoi ? Il a écrit ce que Jésus a fait. L'évangile, ce n'est pas Pierre ni Jean, c'est Jésus et les gens qui ont écrit. Donc là, quand tu marches, dis-toi, ce que tu traverses, Jésus l'a traversé. Toi, tu auras une vie longue, 70 ans, et si tu as la grâce, tu vivras bien plus longtemps. Mais Jésus, lui, il n'a pas vécu 70 ans. 33 ans, c'était fini. Et alors, je vois des gens, ils pleurent, ils disent « Ah, mais c'est difficile, mais zizi, mais c'est là. » Mais est-ce que tu as versé au moins, je ne sais pas moi, tu as versé un peu de sang, tu as des cicatrices matérielles là, physiques? Parce que moi, j'ai reçu des paroles qui me disaient « Mieux vaut souffrir dans votre chair que dans votre esprit. Pourquoi ?» Pourquoi ? Parce que la chair obéit à l'esprit. Si ton esprit dit « Je veux pécher », ta chair va pécher. Si ton esprit dit « Je veux résister », tu vas résister. Mais le combat, ce n'est pas résister, c'est continuer. Avance, chaque jour tu portes ta croix. Parce que tout le monde tombe. C'est facile de dire « Ah, je lâche !» Mais le plus dur, c'est dire « Jusqu'à demain, je tiens. » Et quand demain est arrivé, encore après, et encore après. Et Jésus l'a dit « Chaque jour, priez chaque jour !» Parce que la prière est notre force, la parole de Dieu est notre force. Et j'ai compris toutes ces choses. Bon, je ne peux pas tout vous dire non plus, parce qu'il y en a d'autres qui doivent passer, et je pourrais rester toute la nuit là. Mais... Donc, ce que je vais vous dire, c'est ce que j'ai reçu à écrire juste avant 19h, là, quand on attendait dans la pièce. En gros, je vous fais un résumé, parce que j'ai écrit quand même quelques 40 lignes. Si vous êtes d'accord, on prend 1 Corinthiens, chapitre 7. Donc, verset 32, on va prendre. C'est celui sur lequel j'étais tombé. Et après, je vais venir, on va aller à Philippiens 1, verset 12. Or, je vous dirai que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur et de la manière dont il plaira au Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe des choses de ce monde, de la manière dont il plaira à sa femme. Et ainsi, il est divisé. Il y a de même une différence entre la femme mariée et la vierge. Celle qui n'est pas mariée a soin des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Mais celle qui est mariée a soin des choses qui sont du monde. On s'arrête là. Ce que je veux dire, c'est qu'avant Jésus, avant de devenir l'épouse de l'époux de Yahweh, Dieu, on était époux, esclave de Satan. On lui était dévoué. Tous les jours, vous pouvez dire, moi je faisais ci, moi je faisais là, tu péchais. Et volontairement. Donc, on était assidus à lui, on l'entretenait en nous tous les jours, on nourrissait bien les démons comme il faut, là, ils étaient bien gargarisés. Mais... après la conversion, tous tes péchés sont pardonnés, tu commences le combat et c'est à toi de résister. Parce qu'une fois que tu as résisté, le ciel t'attend. Donc maintenant, on prend Philippiens. Et donc, on est d'accord qu'un homme qui reste seul dans sa chair, on dit même celui qui trouve une femme, enfin, même une femme qui trouve un homme, hein, c'est réciproque. Jésus n'est pas macho. Hein. Et donc, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais de même, une femme qui trouve un homme trouve le bonheur. Donc, ça veut dire celui qui reste seul souffre. Il doit résister au péché chaque jour. Donc vous-même, vous pouvez dire « Je suis marié », mais dans ton esprit, tu es seul. Ta femme, elle ne va pas combattre le démon qui t'attaque, il attaque que toi. Il n'est que chez toi. Hein. Donc on prend Philippiens. Voilà. C'est... Philippiens 1, directement, verset 12. Et c'est là que j'ai compris vraiment le combat spirituel. Pourquoi Dieu autorise ? Déjà, c'est pour nous-mêmes, pour pouvoir rester dignes chaque jour du royaume des cieux. Mais derrière, il y a pour notre prochain, ce qui passe après nous. Et c'est, je fais une petite parenthèse sur l'histoire de Job. Vous l'avez tous lu, vous avez vu comment il a souffert. Satan, vous pouvez l'attaquer, mais il ne pouvait pas mourir, il ne pouvait pas être soulagé. Il devait souffrir chaque jour comme ça. Là. Il y avait un rempart et Job, il disait, mais arrête, il maudissait le jour de sa naissance. Il n'en pouvait plus du tout. Il voulait mourir, il désirait la mort.
tellement qu'il souffrait. Mais après, il y a eu la récompense, parce qu'il a récolté ce qu'il a semé. Il a, plutôt que de blasphémer Dieu comme Satan voulait, il a blasphémé le jour de sa naissance. Il a regretté que sa mère soit enceinte de lui plutôt que de regretter Dieu. Là, c'était un modèle. Et donc, on prend verset 12 de Philippiens 1. Or, je veux que vous sachiez, mes frères, que les choses qui me sont arrivées ont plutôt servi au progrès de l'Évangile. Donc, si vous pouvez souffrir avant vous-même, c'est parce qu'autour de vous, dans vos familles, si vous êtes les seuls convertis, c'est autour de vous, parmi vos amis, quand on voit la grâce, les gens déjà, ils veulent vous attaquer. Vous savez pourquoi ? Parce que celui qui est jaloux veut prendre. Ils vont essayer de vous descendre, pardon du terme, mais vous descendre, vous abattre. Ils veulent vous terminer, en faire direct. C'est ce qu'ils veulent. Et pourtant, au fond d'eux-mêmes, ce qu'ils veulent, c'est ce que vous avez reçu. Et si vous pouvez souffrir, c'est justement parce que ces gens, de la manière dont vous-même, vous avez été inspiré par Christ. Vous avez dit, il y en a un, il s'est sacrifié, on va le suivre. C'est parce qu'il a souffert qu'on l'a suivi, parce qu'il a pris sur sa chair pour nous. Et vous, si vous pouvez souffrir, c'est le message que j'ai aujourd'hui, c'est pas seulement pour vous, là. Autour de vous, il y a des gens qui vont prendre exemple. Amen. Voilà, c'est tout. Ça, c'était pour moi, là. Je rends grâce à Dieu. Ah, c'est magnifique. Et vous allez dire que Dieu n'existait pas ? 15 ans. Les premiers seront les derniers. Amen. Les derniers seront les premiers. Amen. Ils débarquent de loin. C'est là que l'on réalise que le message là touche des millions de personnes. Waouh, que le Seigneur soit béni. Cette vidéo-là, il faut bien la diffuser. Et la vidéo de notre frère Yacine, c'est des trésors. On découvre des talents, on découvre c'est le royaume. Hein, magnifique. Magnifique. Alors, tu avais quelque chose à dire ? Tu as eu ton baptême aujourd'hui, hein ? Aussi. Oui, avec ma soeur aussi. Gloire à Dieu. Donc, alors, tu voulais dire quelque chose aussi ? Non, c'est bon ? Elle est timide. Elle est timide. Waouh. Mais tu es heureuse hein, quand même d'être là. Sinon, je ne serais pas là. Enfin, logique. C'est logique, c'est logique. Et tu es amoureuse de Jésus ? Ah, la question ne se pose même pas. Ah, mais tu n'es pas timide alors ? Non, non. Prends le micro. Enfin, alléluia. Je ne sais pas. Nous avons faim. Oui. Mais si je dois dire un truc, c'est que Dieu nous aime. Voilà, le plus essentiel, ça veut tout dire. Voilà. Waouh. Ben, c'est magnifique. C'est magnifique. Vous avez mis combien d'heures de route là pour arriver jusqu'ici? 9h. 9h. Vous rentrez quand? Demain? Oui, demain. Donc jeudi quoi aujourd'hui? Alors nous allons tout à l'heure faire une offrande et on va prendre une partie pour bénir cette famille. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Au nom de Jésus. 9 heures de route. Quoi ? Non. Le Seigneur mérite des chants. Le chant gabonais là, tu sais, Noémie, tout ça là. Chaque jour me forçait à te ressembler. Depuis le commencement de mes jours jusque dans l'éternité, je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta personne, l'unique et le véritable. Oh, tu es l'admirable, tu es sur la terre. Tous genoux fléchis, l'unique et le véritable. Jésus, tu es l'admirable. Tu es sur la terre, hey.
tous genoux fléchent, que ton nom Jésus soit béni, yeah. Oh, oh, oh. Jésus, que ton nom soit béni. Le premier est le dernier, la parole manifestée. Le premier, celui qui était, qui est, la parole manifestée. Jésus, que ton nom soit béni. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Pour ma main, tu serais le désir de mon cœur. Si ce n'est de lever ton saint nom par ma vie de chaque jour, me forcer à te ressembler depuis le commencement de mes jours jusque dans l'éternité. Je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta personne, l'unique et le véritable. Oh, l'admirable, leve ton nom au ciel et sur la terre. L'unique et le véritable Jésus, tu es l'admirable. Levons son nom au ciel et sur la terre, mon roi. Que ton nom Jésus soit béni. Que ton nom Jésus soit béni. La vie et la vérité restent Jésus. La vie et la vérité reste Jésus. En toi, Shiloh, j'ai trouvé une raison d'être. En toi, Yahweh, je trouve une raison d'être. La vie et la vérité reste Jésus. La vie et la vérité reste Jésus.
Ah, il mérite la gloire. Hein. Il mérite vraiment la gloire, le Seigneur, parce que là, qui est encouragé, là? Honnêtement. Waouh.